Salut tout le monde, c'est Jimmy M13 et je sais pas si vous l'avez remarqué, déjà là, j'ai fait des modifications, j'ai fait de la décoration en votre absence. Je sais, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné un LP Minecraft, mais c'est que j'ai fait beaucoup de choses entre-temps et j'ai pas juste ça à faire. Mais là, je reprends force avec l'épisode 8. Qui va être, je crois, plutôt chargé. Donc, nous commençons par. Je commence par vous présenter la salle des coffres modifiée. J'ai racheté des escaliers comme ça. Je trouvais que ça faisait un peu plus stylé pour la salle des coffres. Puis là, en ce moment, je pense que. Pas en ce moment, mais. Ben, oui, en ce moment, je suis en train d'enregistrer avec mes beats, Dr. Dre. Les Beats Studio. Donc c'est un essai. Je vais voir. Je sais que ça marche, mais je sais pas si la qualité du son est meilleure. Mais je pense que oui, hein, c'est la logique. Ça doit être meilleur que le micro de l'ordinateur en lui-même. Bon, donc on commence par les modifications que j'ai apportées à la maison. Bon, premièrement, j'ai remplacé pas mal toutes les murs par la stone brick. Je trouvais que ça faisait plus beau. Et donc je vous laisse un peu regarder. Hein. C'est ça. Bon, ici, on a pour la porte du Nether, on a de la brique du Nether avec des escaliers du Nether. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Mais faudrait que je transfère ce que j'en ai là de ça. Par contre, ça, j'en ai plus. Mais de ceux-là, la Netherrack, je pense que ça s'appelle. En tout cas, ça ou ça, je me souviens plus quelle est la Netherrack. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, ah oui, c'est vrai, ça, vous le saviez pas, mais c'est comme ça maintenant. J'ai remplacé comme ça. Ça donne plus de place. Ça donne l'impression d'avoir plus de place alors qu'il n'y en a pas. Bon, un truc que j'ai fait en votre absence, et peut-être que vous auriez aimé que je le fasse avec vous, mais je l'ai pas fait. Vous voyez, il y a un détecteur de poids, donc vous imaginez que j'ai fait quelque chose là. Quand il y a un melon qui pousse, je vous montrerai. Donc, bon, là, il y a la musique de Minecraft qui est commencée. Je sais pas si vous l'entendez, je sais pas si vous entendez que ma voix ou la musique de Minecraft et ma voix, mais en tout cas elle est pas mal forte, donc je vais baisser ça. Et voilà. Donc ça vous le saviez, mais j'ai remplacé un peu jusqu'ici de la stone brick. Là je pense pas que je vais le faire, ça fait comme un peu genre mineur chilien là, qui va par là. Ok, bon, c'était assez raciste. Donc là, je sais pas si vous l'avez peut-être remarqué pendant que je me promenais dans la salle des coffres, mais il y a un petit passage ici. Qu'est-ce que c'est? Mais où va-t-il? Eh bien, il va tout simplement à l'étage du dessous, que j'ai remplacé aussi ici, les colonnes. Et oh merde, j'ai spoil un peu. Même si vous savez pas c'est quoi. Donc ici, c'est beaucoup mieux, je trouve, c'est plus beau. Et ici, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous ne le saurez pas. Non. Sans rigoler, c'est que j'allais commencer quelque chose. Mais en fait, je faisais comme le squelette de la ferme à. Je vous le dis pas. Ah oui, aussi, vous pouvez constater que je peux sélectionner de beaucoup plus loin. C'est un mode que j'ai installé. Je trouvais ça rigolo. Regardez, je peux sélectionner de vraiment loin. C'est génial. Donc, 2 secondes. Je vérifie quelque chose. Et on se retrouve après. Ok, c'est bon. J'ai vérifié ce que je voulais vérifier. Donc, ici, ça va beaucoup moins vite monter comme ça jusqu'en haut. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Ça va un petit peu plus vite. Mais c'est.
c'est disons un truc. Wow, ça a lagué. Un petit truc juste un peu plus pratique là, que j'ai fait pour le fun. Ok, donc on va aller à l'étage du haut. Je pense que j'ai fait aucune modification en fait, donc je pense pas que c'est nécessaire de vous montrer. Ah oui, j'ai fait une modification, je sais c'est quoi. C'est ça, encore. Le truc des piliers comme ça, qui volent. Ça fait un peu magique. Mais bon, je trouvais ça vraiment beau. Oh. You are very running very low on this space. Ok, 2 secondes, je vérifie s'il me reste assez de place pour continuer à filmer. Ah, il y a un melon qui a poussé en plus. Donc, 2 secondes, je reviens. Ok, non, ça va. Ça va, ça va. Il me reste 6 gigs sur mon ordi. Oups là, gros lag. Donc, c'est la ferme automatique de melon. Je sais, j'aurais dû le faire avec vous, mais j'étais trop impatient de le faire. Donc, je l'ai fait hors caméra. Mais c'est simple. Il y a des pistons. Oh, il y a des pistons. Collant en dessous de chaque bloc ici. Ça a été chiant à faire, ben pas chiant mais long à faire, parce que disons que il est temps que je me fasse une ferme à slim. Mais bon, donc c'est ça. Il y a des pistons collants à chaque. J'ai relié chaque piston avec le détecteur de poids. Et ça les monte dès que je pile. C'est quelque chose de vraiment très simple. Que faut être minimum. Faut avoir un minimum de base en redstone et vous êtes capable de le faire. Y a rien là. Donc, du melon, j'en ai pas mal stocké. Vous allez voir. J'ai même fait un coffre pour ça seulement. Donc, c'est ça. J'en ai quand même déjà pas mal. Et là, il y a le pouf ici. Donc, ce que j'ai pensé faire. Ah oui, excusez, dernière modification que j'ai apportée pendant votre absence. C'est ça. Maintenant, ça marche. J'ai rapproché les minecarts et ça fonctionne. Ça fonctionne. Par contre, faut sauter. Ça, je vais encore le modifier puisque d'habitude, comme vous voyez, ça marche, mais parce que d'habitude, on peut le faire sans sauter. Oups, je l'avais pas eu. Et là, on peut le faire comme ça. Et voilà. On est en haut. Donc ça c'est ça pour l'ascenseur Minecraft qui marche maintenant. Par contre faut sauter. Donc c'est un petit peu plus lent pour ça. Mais sinon ça va. Pour l'instant c'est acceptable. Alors, pour changer du on va. Ah dites-moi si vous aimez pas ça que je puisse sélectionner de loin parce que. Moi je trouve ça vraiment pratique, mais vous pouvez trouver que c'est du cheat. Donc, vous me le direz dans les commentaires. Alors, écrivez dès maintenant, là, faites stop à la vidéo et écrivez non, je trouve que cela est correct ou. Non, excusez. Oui, je trouve que cela est correct ou non, cela est incorrect. Juste ça, je vais faire une addition et je vais voir si c'est. Si la majorité. Gagne des négatifs, j'enlèverai le truc qui le mode qui fait que je peux sélectionner de très loin. Donc je vais tout de suite m'attaquer à l'important d'aujourd'hui. Alors on va prendre la redstone. Et oui, la redstone. Tchac. On va toute la prendre, pourquoi pas. On va tout prendre ça. Hop.
Et voilà. Donc, pourquoi ai-je besoin d'autant de redstone? Et est-ce que je suis en paisible? Ok, parfait. Parce qu'aujourd'hui, oui, ça va être un épisode différent. Je vais être en paisible. Non, mais c'est parce que. C'est pas parce que. C'est parce que. Sérieusement, j'espère que vous m'entendez correctement. Bon, c'est parce que. Bon, premièrement, j'ai pas passé au bon endroit. Et crottin de merde, je perds du temps. C'est parce que, comme vous le savez sûrement, si vous avez écouté les épisodes précédents, et je vous incite à les écouter si vous ne les avez pas écoutés. Donc, dans les épisodes précédents, j'ai besoin de mon pioche. J'avais découvert une ferme à. Pas une ferme. J'ai de la misère à parler aujourd'hui. J'avais découvert. Quel côté? Bon, je vais le dire là, merde. Ok, j'avais découvert un spawn à squelette et j'aimerais le relier à celui du spawn des zombies parce que ben, ça va être très pratique. Je vais pouvoir avoir la poudre d'os à l'infini ainsi que des flèches à l'infini. Là, j'ai l'impression que je creuse plus loin que c'est. Ah, ici c'est bon. Ah ouais, c'est bon ici. Alors on creuse. J'espère que vous voyez correctement. Attendez, je vais aller chercher des torches là. Bordel de merde. Des torches que j'ai besoin. Prendre celui-là. Et en le reliant. Premièrement, ça va spawn beaucoup plus vite. Ça va être génial. Donc, ah merde, j'ai tombé dans le trou. On va en mettre une ici. Ok, on est arrivé. Ok, ça c'est parfait. Donc là on arrive là. Et putain non, faut pas que j'aille là. Attendez, est-ce qu'il faut que j'aille là? Je sais pas où aller. Ah. Ok, donc est-ce faut que j'aille où là? Il faut que j'aille. Bordel de merde. Par où fallait que j'aille? Je sais pas, il est par où. En tout cas, on va creuser par là, peut-être qu'il est par là. Ok, il est pas par là. Je l'aurais trouvé. Je l'aurais déjà trouvé. On va voir s'il est par là. Non, il est pas par là, c'est trop loin. On va voir si par là. Parce que j'avais de faire un spawn de squelette, mais je sais plus. Ah! Trouvé, je crois. Moi, ouais, je crois que j'ai trouvé. Ah, merde. Peut-être. Ah oui, oui, ça a l'air d'être par là. Éclaire ça avec la torche. On va mettre ça pour pas tomber parce que j'ai des choses précieuses sur moi. Et je ne voudrais surtout pas. Oh merde, c'est par là ou c'est pas par là? Mais pourquoi il y a ça au juste là? Ah, peut-être que c'est moi qui me suis donné un indice. Que c'était par là. Ah, merde. Ah merde! J'ai détruit un circuit redstone. Bon, on va le replacer. Oui, j'ai cassé de la redstone.
remplacer. Ok, j'espère que ça ne va pas trop endommager mon circuit synthétique. Bon, ça va être correct. Donc, c'est pas par là. Mais je pense que je suis proche de ça. De spawn un squelette. Mais merde, où on spawn un squelette? Fait chier, je le trouve pas. Oh, j'ai failli tomber, je pense. Ok, il y a le charbon là. Ok, on va, hop, là, on va se faire un passage jusqu'au spawn. Et tout ce qu'on... je sais même pas si par là. En tout cas, je l'espère. Ah, ben non, c'est... Oh, ah, j'ai failli tomber. Désolé, j'ai la chienne d'être tombé là. Bon, ouais, c'était pas par là, ça me fait chier. Puis là, je remonte par où, moi? Ah, par là. Ok. Donc, c'est pas par là. Je vais prendre ça. Il y a plein de trous partout. J'ai fait plein de trous partout. Et là, ça va être laid parce que... Pourquoi j'ai un escalier, moi? Pourquoi j'ai un escalier? Je me demande. Ok, ça, on va voir si ça marche toujours. Ça devrait. Hein. Parfait, ça marche. Ok. Donc. Ça va être pas très beau, mais je suis obligé puisque j'ai pas d'autres trucs. Fait chier, je sais plus où le truc de spawn, le squelette. Ah, je pense même qu'il parle. Ouais, ok. Ellipse, le temps que je le trouve. C'est bon les amis, j'ai trouvé. C'est par là. Donc le spawn est là. Et c'est par là. Donc j'avais mis des torches pour retrouver après. Doop là, et ça va être long à relier. Ah tiens, tu vas... Je vais le miner en attendant. Et voilà. Ok. Donc ici on a le spawn à squelette. Je l'avais bloqué. Pas qu'il puisse sortir. J'avais-tu laissé des trucs dans le coffre? Oui, un seau. Une selle et un autre seau. Donc je vais les relier dans cet épisode-ci. Mais là, j'ai plus de mémoire sur mon ordi. Donc, c'est cela. Il va falloir que j'enlève des trucs sur mon ordi. Mais avant ça, il faut que j'y mette sur YouTube. Donc, je continuerai l'épisode dès que je peux. Là, nous sommes le 31 juillet 2012. Demain, c'est la nouvelle version de Minecraft 1.3. J'ai très hâte. Et je sais pas quand je vais pouvoir tourner la suite de l'épisode. Donc, ciao. Oh putain, pourquoi il y avait ça? Ok. J'ai peur. Ciao les gens.